Un matin, j'avais quelques heures à tuer. Je suis allé m'en jeter un petit à la maison Montellier. Comme d'habitude, la tôlière m'a salué d'un regard. L'air étonné que cette fois-ci je sois tellement en retard. Petit s'en est allé, je suis pire qu'une bête. Bien souvent, c'est mes tripes qui parlent au lieu de ma tête. Rien qu'une dernière fois, me rendre à l'étage. On m'a dit du bien, du nouvel arrivage. À chaque fois, j'évite de trop lever les yeux. À force d'être emprunté, les marches planches au milieu. En haut, le palier sans la sueur et le sexe. Et déjà, à voix basse, je me répète mon texte. C'est gentil chez vous, vous venez souvent. Faites-vous du truc avec la bouche et sans les dents. Est-ce que vous habitez toujours chez vos parents? Tiens, ça a augmenté. Hier, c'était 200. Moi me dit d'entrer, la mienne répond je n'ose. D'autant que cette fois-ci, j'ai eu la chambre rose. Réservée d'ordinaire au meilleur d'entre nous. Le valet me resserre et je tombe à genoux. Celle qui m'ouvre la porte est sans doute la plus belle de toutes les pensionnaires qui ait connu ce bordel. Il y a 3 jours à peine, elle partageait mon lit. J'espérais qu'elle revienne, la voilà bien partie. Ah, 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 ah. Hier matin, j'avais quelques heures à tuer. Je suis allé m'en jeter un petit à la maison Tellier.